17 pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les travaux communaux. Nous allons commencer notre journée par la tournée des déchets, tout simplement. On va partir avec le camion de poubelle et tourner, on va dire, tout autour de cette déchetterie pour aujourd'hui. Donc, tout simplement, puisqu'il n'y a pas de centre de tri, on va faire avec ce qu'on a. Donc, bon, c'est sûr, c'est pas très immersion réaliste, hein, mais bon, on s'en fout, hein, on est là pour s'amuser, pour délirer. Tout simplement, donc on a la possibilité de trier nos déchets. Donc ça, je vous l'avais pas montré dans la première partie d'une vidéo qui concernait aussi les travaux communaux, nettoyage, puis en même temps débarras des déchets jusqu'à la déchetterie. Donc il y a eu le tri sélectif depuis, hein, qui a été fait par Robin, dont je remercie. Donc on va voir tout ça en cours de cette vidéo. Allez, c'est parti, commençons. Alors, le temps que notre camion poubelle Mercedes Actros chauffe, hein, on va juste faire une petite visite guidée. Enfin, je vais vous faire le tour rapidement du site, hein. Donc, tout simplement, ici, vous avez la possibilité de vendre le verre puisque c'est en tri sélectif, hein. Donc, normalement, on ne vient pas ici avec un camion poubelle, hein. Ça, c'est clair que bon, c'est pas comme ça réellement. Mais bon, comme je vous l'expliquais, le centre de tri qui normalement accueille les camions de poubelle pour l'instant n'est pas terminé. Donc, on va essayer de faire comme l'on peut. Donc, j'ai préparé un peu de matériel. Tout simplement, donc ici vous pouvez vider les divers, les gravats, les cartons, et ici les déchets divers, donc tout simplement les sacs poubelles pour l'instant. Je les mets ici, quand vous les baignez là-dedans, ça les vend, et pareil pour les cartons. Sinon après, donc on peut mettre des bennes qui seront directement ici, et qui seront à transporter dans le centre de tri. En tout cas, on verra pour la conversion s'il y a lieu dans le FS19, puisque bon, après il y a quand même pas mal de petites choses en plus de la création de la carte à voir si c'est déjà passable sur le 19. Donc on verra bien, je vous tiens informé en tout cas sur la page Facebook. Allez, c'est parti, commençons notre tournée puisque il est déjà presque 6h, donc il est grand temps de partir. On va commencer par les résidences et puis on essaiera de se diriger vers le centre, hein, tout simplement. Je pense pas qu'on pourra tout faire évidemment. Donc si vous aimez les travaux communaux, n'hésitez pas à me le faire savoir. On va déjà essayer de se faire une bonne partie. Voilà, donc le camion Mercedes, comment il fonctionne? Tout simplement, ben, il faut activer la fonction. Donc il y a plusieurs types de fonctions de ramassage. Et puis vous avez donc un côté qui ramasse automatique et l'autre manuel. Donc manuel, c'est-à-dire qu'il faut descendre de votre camion de poubelle et puis charger vous-même les déchets. Bien activé. Si c'est le cas, normalement on s'approche et hop, voilà. Ok. Bien, c'est parti, on peut commencer notre tournée. Dans les rues serrées du Rouen, bien évidemment. C'est pas. Facilité de déplacement en tout cas. Hop. Il suffit de jeter tout simplement. Et puis ça se fait plutôt bien.
Hop là. Normalement, le côté droit, voilà. Ça prend tout le... directement. Carton, bon, je pensais peut-être pas prendre, bon, tant pis, c'est pas grave. Allez, on fera le tri nous-mêmes. Parce que du coup, si on commence à faire du mélange de déchets, bon, normalement, les bouteilles de gaz, hein, c'est à éviter. Forcément, c'est pas pris. Enfin, avec un monde poubelle, mais bon. Ici, on va dire que c'est exceptionnel. En attendant. Le centre de tri, je sais pas du coup si je le ferai sur le 17, ce sera peut-être sur le 19, on verra. Avec le secteur résidence, on aura largement assez. À mon avis, il va être plein le camion. Il y a de fortes chances. Hop. Enfin, du coup, le verre, bon, allez, c'est pas grave, on va tout mettre dedans. Soyons fous. Ici, Pinard qui se fait la malle. Ok. Je pense qu'on va pouvoir les vider directement. Pardon. Ah ouais, j'en avais oublié ici aussi. Bon, je vais pas pouvoir tout prendre, hein, évidemment. Je sais pas si je suis plein. Ok, bon, là je suis plein. Après, je peux quand même en mettre, mais ça me risque et péril de tout perdre. Allez, c'est parti.
on retourne. Ah, vous voyez, je vais perdre des poubelles du coup, puisque la caisse elle est en collision. Alors pour vider, ça va être un peu le bordel parce que du coup, en temps normal, il y aurait eu le fameux centre de tri, ça aurait été beaucoup plus simple, mais bon. Je me suis dit, pourquoi pas vous en faire part quand même de quelques épisodes sur les travaux communaux avec la déchetterie et tout, mais après bon, je verrai si... je trouve le temps pour finir ce que je l'avais commencé, mais bien évidemment, je m'étais arrêté dessus. Il y a encore pas mal de boulot hein, pour finir de l'assembler d'ailleurs. Donc, nous revoici à la déchetterie. On va aller vider ça en haut. Attendez, je pense que je vais mettre ça là. Pas trop près pour éviter les soucis. Allez. Voilà. Donc, nos poubelles sont déchargées. Maintenant, bah, on va devoir faire le tri au mieux. Donc, pour ça, je vais démarrer mon petit OSA. Voilà. Charger déjà. Décidément, ce matin. Hop. Je sais pas si on peut sangler. Non. C'est pas grave. Voilà. Pour pas tomber dedans quand même. Allez, on va essayer de vider ça. À pied.
Hop. Donc le système permet de rapporter de l'argent, un petit peu d'argent, grâce au script hein, de tri sélectif qui a donc été installé et refait par Robin, que je remercie encore pour cette fonctionnalité qui apporte plus d'immersion aux créations. Hop. Donc du coup vous voyez, tout ne va pas dans le même trigger, hein. Faut bien respecter les sélections, donc le carton de le carton, les métaux avec les métaux, les sacs avec les sacs. Hop. Alors les bouteilles de gaz, on va les mettre dedans. C'est vraiment du tri sélectif à la main quoi. Alors il y a plus de gaz ici, une bouteille. Voilà pour les bouteilles de gaz. Les sacs jaunes et les sacs bleus vont dans le même conteneur. Donc après, comme j'expliquais, le but c'est justement d'enlever les triggers qui eux seront directement. Les triggers, c'est ce qui permet en fait la vente des déchets. Ça qui sera essentiellement dans le centre de tri. Et puis sur la fonction, on va dire, de cette déchetterie, après c'est les camions d'arriver avec ces bennes hein, qui sont les bennes originales du jeu. Fois pleine, vous avez plus qu'à emmener directement sur le site de tri.
Voilà, donc juste après, on va partir avec le camion plateau pour aller chercher des frigos. Ils seront directement vendus au métaux, hein, donc juste là-bas. Allez, plus que deux. Voilà. Voilà, c'est fait. On va redescendre le camion poubelle. Allez, c'est parti. Pour l'étape 2, on va aller chercher les frigos ainsi que les divers matériaux.
Allez, le suivant. Quatrième. Comme ça on aura un chargement. Pas trop mal si c'est pas la catastrophe. On va essayer de le prendre le plus bas possible. Chargement de frigo en tout cas. Et bah écoutez, on va se contenter de ça. Hop, on s'englue le tout.
Et c'est parti. Voilà. La pêche au frigo aurait été bonne en tout cas aujourd'hui. Allez, on termine du coup notre matinée avec ces frigos, ces quatre frigos. Voilà, faut que je puisse ouvrir, voilà. Voilà, on s'arrête ici pour notre matinée de travaux communaux, hein, donc qui consistait à la tournée des poubelles ainsi que le débarras des matériaux, donc comme des frigos. Donc après, hein, si toutefois vous souhaitez plus d'épisodes sur la partie travaux communaux, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, tout comme n'hésitez pas à liker si vous avez aimé bien évidemment cet épisode. Je vous dis à très bientôt, on se retrouve très prochainement pour d'autres aventures sur FS. Salut à tous et à toutes.